Les résidences d'artistes sont en constante évolution. Le réseau Art en Résidence travaille pleinement avec le ministère de la Culture et d'autres partenaires, instituts français, cette année ADAGP, voilà, vraiment beaucoup d'autres partenaires, sur le développement de la structuration des membres, qui sont des lieux de résidence. Le renforcement de la visibilité de nos actions et également l'écriture de fiches ressources qui permettent de définir ce qu'est une résidence pour nous et d'éclairer les partenaires, l'État, les collectivités territoriales, les artistes et toute personne concernée par la résidence d'artiste, de mieux connaître les bonnes pratiques et de mieux appliquer les bonnes pratiques dans le cadre d'accueil d'artistes en résidence. Moi, mon regard personnel sur la situation des résidences et leur évolution est très simple. En fait, on ne peut pas aujourd'hui considérer la résidence d'artiste comme étant le seul temps de présence de l'artiste dans la résidence. Là, on travaille avec des structures qui accompagnent des artistes en fait bien en amont, pendant la résidence et bien après. Le deuxième constat, c'est que les lieux de plus en plus vont développer des projets qui sont complètement conçus pour et par et à souvent avec les artistes accompagnés, en fonction de leurs projets, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs demandes. Le terme de surmesure va être employé de plus en plus et donc on va à la fois parler de la collaboration, de la mutualisation dans la recherche en art et également de la possibilité et des moyens des structures pour créer à chaque fois du sur-mesure. Donc en fait, c'est une table ronde qui va parler de la production en commun ou de commun entre avec les artistes et les structures et les partenaires impliqués, qu'ils soient collectivités, entreprises, associations et évidemment habitants publics. Frédéric Stussin, qui est artiste photographe, va nous éclairer sur ce point-là précisément. Quelles sont en fait les attentes des artistes photographes vraiment du champ, du domaine de la photographie dans le cadre de résidence d'artiste. On va parler des possibilités pour les photographes d'avoir un temps consacré à la recherche, mais surtout aussi à, inhérent à tout artiste, et également à la production. Alors, le CNAI est un lieu assez historique et qui a de tout temps en fait accueilli des artistes en résidence. Depuis 2007, le CNAI travaille dans un endroit assez incroyable, assez magique, qui est la Maison Flottante, qui est un bateau à fond plat qui est en fait un atelier logement flottant. Presque 90 artistes sont venus à la Maison Flottante. Et donc on va continuer le projet effectivement au CNAI. Donc ça c'est vraiment la partie résidence. Après il y a toute une partie exposition et événements mais qui sont évidemment pour beaucoup rattachés aux résidences réalisées en Normandie dans l'agglomération de Pose. Alors pour les résidences photographiques, il y a quelque chose d'assez intéressant pour un photographe, hein, pour moi en tout cas, dans ma pratique, c'est que comme on travaille énormément en commande pour gagner un peu d'argent, on a un rendu final. Je fais le portrait de telle ou telle personne pour tel ou tel magazine ou telle institution. J'ai forcément quelque chose à rendre. Dans la résidence, en fait, c'est une commande. Donc on a des moyens de produire, on est payé tout simplement. Et en revanche, en général, c'est une carte blanche. Et c'est très important parce qu'on peut vraiment développer sa pratique photographique, voir vers quoi on veut tendre. On peut essayer plein de choses sans risque de décevoir le client. La seule personne qu'on risque de décevoir, c'est nous-mêmes, parce que c'est vraiment un projet. Enfin, dans toutes les résidences que j'ai faites, et je pense que c'est le cas pour tous les photographes, on aborde ça d'un côté très 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 personnel.
la Villa Perrochon a mis en place avec l'hôpital cette résidence. Ils ont monté un appel à projet. Dans le jury, ils ont fait participer des patients de l'hôpital du pôle psychiatrique pour choisir le photographe qui travaillerait. Alors, comme il y a eu Covid et puis Covid, donc c'était 1 an, 2 ans, enfin bon, les dates, j'ai un peu oublié. Quand moi, j'ai été choisi, donc se met en place la résidence. Et alors, pareil, on a une totale carte blanche. Donc, moi, j'ai proposé un projet. Et ensuite, avec la Villa Perrochon, ça a été un accompagnement de tous les instants. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'accompagnement simple, basique, de logement, de transport, de nourriture, de mise en contact avec l'hôpital. Le plus important, c'est de pouvoir échanger sur ce qu'on fait, sur sa production, avec des personnes, donc Patrick, de là, de pouvoir échanger avec lui sur où est-ce que je vais, qu'est-ce que ça amène. J'ai des références, il en a d'autres, il a une longue expérience de la photographie, des résidences, donc il pouvait me dire, attention, ça, bon, on a déjà vu, ça, on n'a pas vu, ça, qu'est-ce que c'est? Enfin, mais c'est un échange tout le temps, qui permet de pousser sa réflexion, de plus être... parce que des fois, en tant que photographe, on peut rester un peu fermé dans son petit cocon et puis ses petits acquis, puis se dire, bon, ben, ça, je sais faire, donc je vais le faire, et puis c'est rassurant. Avec une personne comme Patrick et la Villa Perrochon en général, mais il y a aussi les infirmiers de l'hôpital, ben, ça bouge un peu, on présente quelque chose, et puis on peut nous dire, ben, bof, donc ça nous permet de ben, d'aller plus loin. Il y a plein, plein, plein de choses qui tournent dans la tête. Mais c'est un accompagnement de tous les sens. Ce serait que là, avec Patrick, ce qui nous manque, c'est qu'on s'appelle plus à peu près à toutes les semaines pour ou dire des bêtises ou pour mettre en place la prochaine semaine ou pour voir les images. Et voilà, ça c'est on s'est quitté, quoi. Ensuite, quand la résidence est terminée, c'est Patrick qui se bagarre vraiment pour mettre en avant cette production, la mettre sur d'autres murs, dans d'autres villes. Et la présenter ailleurs. Donc ça, c'est vraiment hyper important, c'est qu'il y a un suivi. C'est-à-dire que la résidence ne s'arrête pas le jour où on arrête de faire des photos. Elle continue avec bah déjà aussi les tirages, la scénographie, et encore plus loin, bah, si l'exposition est partie à Strasbourg, va partir à Athènes, etc., etc., c'est grâce à la Villa Perrochon. Je pense que c'est vraiment le plus important. Les résidences importantes que j'ai pu faire, donc avec François Cheval, avec l'ami du péché Pascal Michaud, avec Patrick Delas, plus que l'aspect financier qui est très important, hein, mais c'est l'aspect accompagnement et discussion. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment, je pense, ce qui nourrit le maximum et permet, nous, photographes, de sortir un peu de notre petit cocon. J'ai la chance d'avoir réalisé des résidences ou faire des résidences avec des gens qui sont totalement dans le, on dirait, son cache, quoi. Elles disent ce qu'elles pensent. Et ça, c'est hyper agréable. Parce qu'il n'y a pas de tu pourrais peut-être. Enfin, finalement, il n'y a pas d'enjeu de réussite. Ce qui est le plus important, c'est de produire. Et à la fin, on arrive à quelque chose. Mais il n'y a pas, comme une photo, on va dire, commerciale, avoir la marque bien exposée, avec le modèle qui va bien, avec ceci, avec cela, pour la maquette. Voilà. On est complètement libre.